Allons-y au nord du pays, dans la capitale de la province du Wolentem, pour parler du concept Oyonosho ou les grandes vacances festives, une initiative de la direction générale de Radio Gabon, le reportage de jeunes Ekoga Ovono. Renforcer les liens de sympathie et de fidélité entre la station et son public, valoriser et vulgariser la culture locale au menu du concept Oyonosho. La radio part du bâtiment pour retrouver ses auditeurs. Donc ce concept nous permet d'être en contact direct avec les populations qui nous écoutent tous les jours sans nous connaître. Mais également une façon pour Radio Gabon, station de l'Ouest du Wolentem, pour communier avec ses auditeurs qui sont répartis à travers la province. C'est également un moment d'évaluer tout ce qui se fait en termes d'activités socioculturelles au niveau de la ville de Yem. Oyonosho revient dans un nouveau format événementiel à la grande satisfaction des artisans locaux. On a été très contents de participer, de montrer ce que nous sommes capables à la population oyémoise. Et dorénavant, on souhaite, n'est-ce pas, avoir toujours ce genre d'événement qui permet de pousser la jeune génération gabonaise. Ceux qui veulent mettre leur talent en évidence, ceux qui veulent faire connaître leur talent aux yeux de la population, non seulement oyémoise, mais également gabonaise. Donc vraiment, c'est une très très bonne initiative. D'ailleurs, on remercie l'organisatrice et la radio NEP, déjà qui est à la base de cette organisation. Véritable bouillon de culture où les adeptes des arts culinaires, des détections des artistes talentueux et la direction provinciale de Radio Neuf trouvent leur compte à travers le concept Oyonosho.